Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 71, les amis, de Zelda Breath of the Wild. 71, j'avais pas vu que l'épisode précédent c'était le 70e, mais ouf, 71, c'est fou. C'est juste fou pour un let's play, honnêtement. Et je peux en parler, hein, depuis le temps que je fais des let's play, c'est rare que... Enfin, j'ai jamais vu un de mes let's play qui a fait 71 épisodes. Après, bien sûr, j'ai changé de format depuis le temps, hein. Mais c'est vrai que 71, même si j'aurais fait un format de 30-40 minutes, je pense qu'on aurait été quand même un gros format. Et ça fait plaisir. Alors, par contre, attendez, je sais pas si vous allez le voir, ça, c'était la télé qui allait s'éteindre dans une minute. Enfin, bon. Donc 71, c'est fou. Donc cet épisode, je ne tourne pas à la suite du dernier, comme je vous l'avais dit pourtant. Oui, parce que j'ai voulu voilà, jouer un peu à Rocket League en off, et donc du coup, j'ai pas filmé le deuxième épisode. Donc du coup, nous avons les amiibo. Donc d'abord le Link de Twilight Princess. Donc je vous rappelle, niveau amiibo, il ne nous reste plus grand-chose à avoir, hein. Là, c'est la fin, clairement. C'est clairement la fin parce que... Niveau tenue, nous avons tout, je crois, sauf le milieu de la tenue du ciel de Skyward Sword. Donc il nous manque que cette tenue-là, je crois. En armes, on a tout, sauf Ganondorf, sauf l'épée des Six Sages, qui nous est manquante. Donc du coup, voilà. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, ça va être vraiment choper du doublon pour avoir des sous. Éventuellement, parce que les sous, c'est précieux. Dans Zelda Breath of the Wild, donc voilà. Donc je serais pas contre avoir un doublon comme ça, je peux le revendre et on se fera plaisir. Voilà, exactement comme ça, la coiffe du crépuscule. On dit que ce bonnet fut porté par le héros qui combattit les monstres du crépuscule, il sent un peu le fauve. Donc voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais comment dire ça? Sur les coiffes, sur les tenues comme ça là, les tenues amiibo, on peut pas changer leur couleur. Or, c'est ce que j'aurais voulu faire avec le Twilight Princess. J'aurais bien aimé lui mettre la tenue du. La, une couleur rouge pour la tenue de feu. Éventuellement, j'aurais bien aimé. Mais malheureusement, ça va pas être possible. Le teinturier dit qu'il ne peut pas prendre. Ça, il peut pas prendre. Et je ne peux pas teindre ce vêtement. Donc voilà, dommage. Mais bon, on va faire sans. Hein. C'est pas grave après tout, hein. Donc voilà. Hop. Alors j'ai toujours pas précommandé les 4 amiibo, les amis. Là, j'attends la précommande au champ, mais je sens que ça va être encore la guerre. J'espère vraiment réussir à les précommander comme j'avais réussi. Oh, une épée de soldat. Qui est nulle à chier, mais une épée de soldat. J'espère vraiment que je vais réussir à les précommander comme j'avais fait avec les 3 Links. Qui, pour ceux qui n'ont pas réussi à les précommander, vont être réédités en décembre. Décembre-novembre, donc. Foncez-y, mais honnêtement, c'est vraiment abusé qu'un amiibo devienne rare. Je sais pas, normalement, il devrait en avoir un pour tout le monde, et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est du coup, les prix grimpent, c'est vraiment dégueulasse. Alors, le Link de Majora's Mask, donc tac. Alors, voyons voir ça. Un double, espadon, rien du tout. Bon, je pense qu'on a eu vraiment, vraiment, vraiment de la chance pour avoir l'espadon. Et là, les deux derniers qui nous intéressent, les amis. Donc, le Link de Skyward Sword. Est-ce qu'on va finir sa tenue qui est stylée, mais ça ne va pas non plus à ce Link-là, je trouve. Je trouve que c'est pas la plus belle, mais bon. C'est stylé quand même. Alors, attention. Et une épée de soldat avec gravité. Donc... Ça sera pas pour aujourd'hui pour la tenue du ciel, tant mieux parce qu'on va continuer à porter un petit peu la tenue du temps hein, qui est très très jolie. Et enfin, Ganondorf, est-ce que tu vas me donner enfin cette épée que je rêve tant, que je n'ai jamais eu dans aucune de mes parties. Donc est-ce que je vais l'avoir? J'ai 2758 rubis, c'est parfait. Alors attention, croisons les doigts. Et c'est mort. Un espadon soldat, donc attaque plus 9. Pour Ganondorf, j'aurais plus préféré des pierres, hein, parce que Ganondorf, son amiibo, il loot pas mal des rubis, des saphirs. Du coup, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Alors là, voilà les amis, le sanctuaire.
Le sanctuaire probablement le plus aléatoire, même s'il y a un moyen, mais c'est vraiment un sanctuaire très très aléatoire. D'abord, on va parler à Sarim, vous allez tout comprendre après. Vous verrez bien, mais voilà, je crois qu'on ne pourra pas le faire là dans cet épisode, malheureusement. Je pense. Alors là, il va falloir grimper, je sais pas trop comment je vais faire. Le mieux, ce serait peut-être que je bascule dans l'autre. Parce que niveau énergie, je pense que je l'ai, mais après, vu comment c'est raide, là, ça va être un peu chaud à grimper, non? Putain, Link, respect, hein. Respect, respect. Oui, super. Super. Oh, ouf. Ouh là là. Ça va être assez chaud. Tant qu'il pleut pas. Oh putain, il va bientôt pleuvoir. Non, c'est pas possible. Ah non, il pleut. Mais c'est une blague. De toute façon, dans cette région, il pleut tout le temps. Bon, ça va. J'ai réussi à y aller. Parfait. Donc, Azarim, deuxième fois qu'on le voit. Hein, l'épisode précédent, on l'a vu aussi. Une lune de sang. Oh, pardon. C'était trop fort. Non, pas tant que ça. Content de te revoir, mon cher ami, nomade. Je vois que tu maîtrises assez bien l'escalade. Oui. Là où nous sommes en ce moment, perdure un de ses anciens champs. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Vas-y. Je te remercie. Une lune de sang rend aux monstres leur vie. Ouais. Héros des temps anciens, tel que tu renaquis sur le socle, tiens-toi et l'épreuve jaillit. D'accord. Il arrive que se lève une lune de sang, que peut donc bien cacher pareil événement, en attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. La nuit de la lune de sang. Donc voilà, vous l'avez compris. Vous voyez le socle en bas, il va falloir y aller pile au moment où il y a la lune de sang. Pile au moment où il y a une soirée de lune de sang, mais et avec un truc en plus, en étant totalement démuni de stuff, donc pas de tenue, pas d'arc, pas d'épée, rien du tout, à poil. Alors, ami lecteur, tu tiens entre tes mains le journal de maquette des anciens champs à Sarim. Ancien champ du bois de Romu, ces âges d'argent de Firon, il est encore chanté près du bois de Romu. Ah d'accord, il va me dire tous ses chants. Ok. Assez intéressant pour celui-là qui n'a pas le guide. Hein. Alors je vais regarder parce qu'il me semble que cette épreuve-là, on peut gruger un peu. Enfin, c'est-à-dire... Gruger est un bien grand mot, mais... Mais il y a moyen de connaître la prochaine lune de sang, en fait. Mais pour ça, il faut que je sais quel sanctuaire c'est. Alors, c'est lequel? Moi, c'est la tour des collines, je crois. Hein. Me semble. Ah, là, voilà. Alors, la nuit de la lune de sang. Donc, voyons voir ça. Si je regarde le guide. Celui sur point B... Pour faire apparaître un temple, vous devez vous tenir sur le piédestal lors d'une lune de sang entre 21h et 1h après avoir déshabillé Link. Il ne doit plus porter aucune pièce d'équipement, aucune arme, arc et bouclier inclus. Si vous n'avez pas la patience d'attendre la prochaine lune de sang, rien ne vous empêche de faire défiler le temps en vous asseyant devant un feu, mais la manœuvre peut s'avérer assez fastidieuse. Mince. Il m'a pas dit autre chose parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un. Il y a un homme... Il y a un homme justement qui dit quand il y aura une lune de sang. Mais bon, du coup, bah ce point-là, on... Voilà quoi. On va l'atteindre. Osef, malheureusement, je vais pas attendre comme ça, surtout qu'en plus il pleut. Du coup, voilà. On verra ça plus tard. Mais dès qu'il y a une lune de sang, on va essayer de s'y approcher. J'ai entre 21h et 1h du matin, donc j'ai 4h devant moi pour y aller. Ok, donc 4h, donc il faut rester un peu dans les parages, c'est ça qui va être un peu chaud, mais bon. Je sais pas si le téléporteur est autorisé par contre, ça j'ai vraiment un doute.
Tac, le champ de tempo. Donc ça m'en fait 34. On y est presque. On y est presque. Bon, le prochain sanctuaire. De toute façon, on n'a pas celui-là. Il nous aura sur rouge. Et ça sera bon. Et nous aurons terminé. C'est bizarre, un cheval tout seul là. Pourquoi il y a un cheval tout seul? On dirait qu'il est... Je sais pas. On dirait qu'il est mis, qu'il est disposé en sorte qu'on doit le prendre en fait. Ou je sais pas où il est sacré. C'est ça que c'est bizarre. Assez bizarre. Attends, on va juste regarder. Hein. J'ai peut-être mal vu, c'était peut-être même pas un cheval. Ah oui, d'accord, c'est pas un cheval. C'est bien ce que je me disais. C'est pas un cheval, c'est un linel. C'est vrai, je pourrais le tuer, le linel. Limite. Faut que je regarde juste deux secondes un truc. Il a combien de points de vie? Ok. C'est le linel classique. Ah, du coup, c'est pour ça, en fait, c'est une arène. Ah, du coup, il y a le sanctuaire ici. On va voir combien il a de points de vie. Elle va déjà bientôt se briser, décidément. Ça dure pas longtemps une épée. Hein. Il a 2000 points de vie, c'est jouable. Hein. Oh. Il a 1800 points de vie. Bon, écoutez, on va essayer de voir. Hein. On va essayer de le gérer. Et pour ça, je vais me mettre Pony Link. Sympa ton gourdin. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Prends ça. Putain, le linel, c'est vraiment le plus coriace. Hein. Mon épée. Pas de panique les amis, j'ai une épée, une autre épée en stock, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai tout prévu. Tac, 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 tac. Okay. Bah on va prendre l'épée, la blanche épée divine. Ah, attends, attends, avant on va prendre l'épée de chevalier. Oula, il balance du feu maintenant. Décidément. C'est vraiment une machine de guerre, les linels. Hein. J'ai presque tué. Et voilà! Notre premier linel vaincu, les amis! Ah! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! On a éliminé un gros morceau là, hein, quand même! Corne de linel, cette corne est si robuste que la plupart des lames ne peuvent l'égratiner. Faites-la cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Ok, c'est considéré comme un morceau de monstre. Donc là, nous avons deux nouvelles armes, donc c'est pour ça que j'ai voulu tuer les linels. Donc, espadon de linel. On va voir ce que ça vaut. 36, c'est pas mal du tout. Cette arme redoutable, qui ressemble plus à une masse faite de métal qu'à une épée à deux mains, pulvérise tout ce qu'elle touche dès lors qu'un linel la manie. Et un arc de linel. Alors ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Donc 10, elle tire 5 flèches.
Cet arc en métal dont se servent les linelles est rudimentaire, mais il permet de décocher plusieurs flèches à la fois, facilitant les combats avec les cibles les plus véloces. Donc voilà, deux petites nouvelles armes, donc très sympa. Très sympathique, s'ajoute à ma collection. Qu'on va garder l'espadon de linelle, hein, c'est toujours une grosse blague comparée à l'espadon du dieu démon, mais bon. On le prend bien quand même. Bon, j'aurais utilisé une épée, l'épée bigron de toute façon qui allait se casser dans pas longtemps. Et c'est tout. Et un peu l'épée de chevalier, mais ça va. Du coup, il me reste la blanche épée divine que je peux utiliser vu que j'ai un double. Vu que j'ai un petit doublon. Mais voilà, c'était un combat bien sympathique contre le Linel. Ne vous inquiétez pas, après on va les battre, mais très facilement les Linels. Bon, là il pleut, ça craint. En fait, c'est une région ici. C'est vrai que la région de la tour de la colline, c'est une région où il pleut souvent. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment, il pleut. Ouais, il pleut au moins. Il y a au moins 5 chances sur 10 qu'il pleut, quoi, je dirais. C'est normal parce qu'on est un peu dans le temps. On est un peu vers le nord et le nord, c'est là où il fait froid, il pleut. Voilà, quoi. Vous m'avez compris. Il n'y a pas le désert Gerudo dans le nord. Tac, je le prends. Choc tempo. Ça m'en fait 36. Le sanctuaire de Shao Yo. Ok. Ok. Allez hop, c'est parti. Non, franchement, j'ai bien aimé le combat. C'était un combat pas dégueulasse. C'est vrai que c'était un combat plutôt cool. Donc là, pour le sanctuaire avec la lune de sang, il va falloir attendre. Où je trouve le gars là qui, avec ses prédictions, attendre le bon moment. Ouais. Que suis-je censé faire? Bon, c'est une flèche peut-être? Ouais, on va peut-être pas déconner avec la flèche de feu, hein. J'ai quand même 200 flèches normales. Ah ouais. D'accord. C'est vrai que ça a été parfaitement utile. Voyons voir. Ça, je peux pas le prendre. Ouais. Puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Balancer une bombe? Non. Attendre le bon moment. Ah oui, peut-être le figer, mais le figer à quoi? Ah d'accord, je pense avoir compris. Ok, on va savoir comment j'ai fait, mais. Alors là, je vais récupérer ce petit coffre. On va voir ce qu'il y a de bien à m'offrir. Voyons voir. Un topaz. Bon, je prends. C'est pas mal du tout, un topaz. C'est pas. Ouais, c'est le genre de truc qui fait toujours plaisir. Alors, par contre, maintenant, où est-ce que je dois aller? C'était juste pour le coffre. Ah ok, d'accord, c'était juste pour le coffre. C'était juste pour le coffre. Bon, il va falloir balancer une flèche, les amis, hein. Si vous n'aviez pas compris. Voilà. Ah, c'est déjà fini? Waouh, c'était vite. C'était vite, mais pourquoi pas. Bon, là, petit sanctuaire de fée. Ah, en fait, j'ai pas changé mes vêtements. On va reprendre notre tenue du temps. C'est très sympa. Et voilà, le petit emblème du triangle. Donc du coup, voyons voir ça fait combien de temps, 19 minutes. On aura peut-être le temps de faire le dernier sanctuaire. Du point rouge comme ça sera bien parce qu'au moins on aura fini
À peu près les sanctuaires, il nous en manque un, bien sûr, j'oublie pas. Mais voilà. Il nous manque l'autre pour les lunes de sang, mais voilà. Moi, ça sera toujours ça fait. Je pense qu'au prochain épisode, je saurai qui est le type qui nous dit sur les lunes de sang. Parce qu'il va falloir que je décoche un point dessus. S'il peut me prévenir à l'avance, ça serait bien. C'est comme ça, on utilise un fagot de bois, voilà. Mais il faudrait que je récupère des fagots de bois aussi, hein. À force, je les farm, ça c'est toujours si utile. Oh, il y a un relais là-bas. Ah, attends, c'est peut-être lui qui va me parler d'une lune de sang, non? Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Attends, parce que j'ai pas de fagot de bois, on est d'accord. Non, j'en ai même pas, et en plus, ça se farm. Je vous jure, hein, ça se farm très facilement, hein, un fagot de bois. Ah! Qu'est-ce que tu regardes? Je crois savoir lui ce qu'il veut. Je crois. Je crois savoir, donc du coup je vais pas l'activer tout de suite parce que si c'est lui, je m'en voudrais un peu. Relais du pont de Tabanta. Sympathique. Normalement le mec qui doit parler de la lune, il est pas loin, il est à côté, il est vraiment à côté. La grande fée. Ah d'accord. Bon c'est lui. C'est lui qu'il faut pas que je parle. Ah super du fagot. Deux fagots de bois. Génial, j'en avais plus. C'est super. Et pas. Ouais, rien du tout. Ok. Bon, un petit relais. Et justement, il y a le sanctuaire, donc c'est parfait. Bah du coup, on va aller au point rouge. L'émission, on verra au prochain épisode. Hein. Prochain épisode de l'émission, mais d'abord, je vais finir ce sanctuaire-là. Parce que il y a une mission, je dois peut-être. Il y a peut-être une astuce pour la mission. C'est une mission au sujet où on pourra économiser de l'argent. Non dégueulasse, on n'a qu'à dire. On va pas se cacher qu'on est un peu. Voilà. Niveau argent, il nous en faut le plus possible. Tout simplement. Bon, alors le point rouge, où est-il? Il est un petit peu loin. Est-ce que ça aurait été pas mieux que je me téléporte là? Je sais pas. Hé! Hé! Vous avez vu le dragon, ce que c'était, les amis? Ça, c'est un dragon qu'on n'avait pas encore vu en plus. Il va falloir prendre une photo de lui. Et si on peut le choper, ça serait pas mal. Si on peut le choper un matériau. Je crois qu'à un moment, les dragons, si je veux vraiment faire le full 100%, il va falloir que je farme un peu. Enfin, on verra, hein. Pour l'instant. Tant que je suis pas lassé par le jeu, ça va. Mais je vous cache pas que je regrette. Je redoute un peu la phase Korogu, hein. Je vous cache pas. Ça va être un peu embêtant. Donc, c'est pas sûr que je fasse le 100%. Ça c'est sûr. Attends, est-ce que ça marche? Donc Ordrak. Dégueulasse la photo, mais c'est Ordrak. Voilà, tout simplement. Alors je savais que Ordrak on pouvait le voir vers le nord, mais je savais pas qu'on pouvait le voir dans le nord-est et non dans le nord-ouest. Bizarre. Bizarre parce que Ordrak c'est le dragon de feu, donc et là on est plus dans la glace que dans le feu. C'est pour ça que je suis assez étonné. Le sanctuaire est là. Ah là là, j'arriverai pas à le choper. Il va aller là-bas. Seulement, je pourrais aller plus vite. Je crois que malheureusement, j'arriverai pas à choper la pièce de Ordrak. Un petit peu d'aigle. Oh, vous avez vu les amis? Ça, il faut le choper. Putain, c'est dingue. Il y a plein de trucs. C'est quoi cette blague? Ah, et Ordrak s'est barré là. Normalement, il est pas censé remonter, Ordrak. Ah, il est loin. Il est loin, mais il faut que je le chope. Waouh. Sympa, toutes les jeunes Nox qu'il y a là-bas. Ah, il est là-bas.
Putain, ouais, il m'a vachement bien grillé, je trouve. Ah, j'arrive pas à le choper. Bah, de toute façon, on va aller dans. Finalement, changeons de programme, les amis. On va aller dans la ligne jaune. Parce que c'est un objet très rare à choper. Mais quand je vous dis très rare, c'est que c'est vrai. C'est vraiment, vraiment rare. Et on a été vraiment chanceux de le choper. Il est dans la zone qu'on n'a pas encore vue, mais bon. Bon, bah, du coup, Ordrak, c'est mort, hein, clairement. Il va trop vite. Malheureusement, il va beaucoup trop vite. Donc, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Donc, bah, pour finir, on va choper le fragment. Tant pis, je vais un petit peu déborder, je pense, les amis. Enfin, c'est vrai, je vous ai spoilé aussi que c'est le fragment. Oui, c'est un fragment. En fait, cet objet, les amis, c'est un fragment d'étoile. Qui est un objet très rare à avoir et qu'on l'a justement en pleine lune. Enfin, pas en pleine lune, mais seulement la nuit, quoi. La nuit, il y a une étoile filante qui passe et c'est ça, un fragment d'étoile. Il est encore visible, Ordrak, ou... Mais c'est bizarre, c'est que il monte pas. Oh, il est là-bas. Ah, tu m'as encore grillé, c'est une blague. Plus je suis, plus il me grille. C'est vrai, hein. Bon, tant pis, soit je suis chanceux et il repasse, ou soit... Soit il reviendra plus tard. Mais bon, là on est plus très loin du fragment. Ah, par contre, j'ai peur que la créature divine se manifeste. Parce que là, les amis, cette zone-là, on va aller dans la zone créature divine. Donc, du coup, mais vous inquiétez pas, cette créature divine ne nous attaquera pas. Donc, ça va. C'est pas comme Urbosa qui a attaqué, mais bon, on n'a pas eu. Vous avez pas eu l'expérience avec moi, mais je l'avais eu en. L'expérience en off, que Urbosa attaque. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'était pas dans son territoire. Oh là 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 là. Vas-y, restaure un peu. Restaure un peu. Non, je peux plus. Bon, c'est pas grave. What? Il était là? Bon, cassez-vous. Faites chier. Oh non, Ilias, mais allez. Mais c'est quoi tous ces ennemis? C'est une blague. Vous ne m'arrêterez pas. Oh putain, ils l'ont mis le fragment. Ils ont été le maître. Putain, ils sont sérieux? What? Ah, il est là. What? What? Attends. What? Mais comment je fais là? What? Il faut que je fasse le plongeon, c'est ça? Je peux pas plonger comme dans les anciens Zelda. C'est quoi ce délire? Alors normalement c'est ça, le fragment d'étoile, les amis. Normalement. Peut-être que je suis le plongeon en fait. Attends, tant qu'il despawn pas, il y a de l'espoir. What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Eh, ça arrive qu'à moi, c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Ça arrive vraiment qu'à moi. Il est tombé dans la flotte. Donc du coup, comment je fais pour l'avoir? Comment je fais? Par la force du Saint-Esprit. Oh, je vais me noyer. En fait, peut-être que ça suffit. Hein. Ah, voilà, j'ai eu. Je l'ai eu. Le fragment d'étoile, ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée, mais son utilisation en tant qu'ingrédient culinaire reste peu connue. Et justement, il sert pas en ingrédient culinaire. Ingrédient culinaire, je sais pas du tout à quoi il sert,
mais je sais qu'il sert pour les grandes fées, pour améliorer donc notamment nos tenues DLC, mais aussi la tunique du prodige. Donc pour avoir la deuxième étoile. Donc voilà, c'est parfait. Et sinon, oui, sinon il vaut 300 balles. Et oui, les amis, il vaut 300 rubis. Il vaut une blinde, honnêtement. Clairement, il vaut une blinde. C'est probablement, je pense, le truc le plus cher à vendre, peut-être. Donc voilà, ça fait plaisir de l'avoir chopé. C'est cool, le petit fragment d'étoile. Je suis content, je m'y attendais pas. Donc j'espère que ça aura plu cet épisode de Zelda Breath of the Wild. Désolé, j'aurais un petit peu débordé. Donc la prochaine fois, on fait le sanctuaire qui nous attend. Hein. Normalement, j'aurais dû le faire là, mais c'est pas grave. Je regarderai pour ce sanctuaire si. Pour celui-là, donc je regarderai, ne vous inquiétez pas. Et on fera l'émission. Donc voilà. Merci à regarder. Bye tout le monde!